Et on part comme d'habitude un petit classique, ligne blanche, faux plat ascendant. Bon, tu comprends qu'ils n'ont pas le temps. On s'en bat les rétroviseurs. Hein, ligne blanche, il me semble bien que c'est 3 ou 4 points. Et 135 euros d'argent de poche pour les motards locaux. Bon, là on arrive sur pareil. De toute façon, c'est que des grands classiques. Bon, la C5 Break, elle est plus que limite, tu vois. Après, oui, je sais. Oh là là, des distances de sécurité. Mais si je l'emmerde pas un petit peu, déjà moi, pour me venger un poil, et puis lui, pour le... Si jamais ça marche, hein, pour lui déclencher une micro-diarrhée passagère, hein, je vois pas pourquoi je vais monter sur les freins et aller dans l'herbe, parce que lui, à tout prix, passer devant le camion. Échanger en Narbonne Croix Sud. Regarde la magie. Regarde, le bus double une semi, moi je suis sur la bretelle de sortie. Et là, sorti de nulle part, 3, 2, 1, siou! Mais il sort d'où, lui? Voilà, c'est... Puis toujours pareil, quoi. C'est... Au lieu de se mettre dans le flux de circulation, d'attendre son tour et de faire la manœuvre normalement, c'est... Il fallait qu'il passe en force... coupé à travers tout le monde, il a fait une manip à la Fast and Furious. Alors je te la mets au ralenti parce que moi je la kiffe celle-là. Regarde. Le fourgon double voit 3, le bus voit 2, la benne voit 1. Moi je suis sur la bretelle qui s'en va direction Toulouse. Là c'est 5 break, elle devait être au flanc gauche du bus quand le bus m'est passé à côté. Et le mec, fait, c'est, je vais pas te dire dans un mouchoir de poche, mais ce qu'il a fait c'est... C'est un peu... Ouais, c'est un peu tendax, quoi. Puis, tu vois, il se jette dans le cul du camion au loin pour se mettre sur la bretelle. Donc, tu le sais très bien, ces petits carrés sont l'interdiction de franchissement. Bon, lui, il a attendu par là, hein, au niveau des zébras. Donc là, c'est plus l'interdit de franchissement, c'est la peine de mort. Mais bon, tu comprends bien que ils s'en battent les rétro. Oui, je suis en période de chasteté verbale. Nous retournons au même endroit, échangeur Croix Sud, à croire que c'est contagieux. Bon, le Cayenne, pareil, pas le temps. Après, c'est un Cayenne, il a les moyens de faire ce qu'il vient de faire. Dans l'absolu, c'est pas super méga propre. Après, il te fait un putain de coup de frein. On est dans les Martis by Night. Regarde Bambi, j'y vais pas. Ce con me sort sous le nez, bon, coup de trompette, un petit coup d'adrénaline. Alors, j'ai pas tellement peur de frapper, c'est que j'ai peur de ce que ça va me coûter derrière. Tu comprends bien les accessoires, mon patron ne les changera pas. Et là, bon, le Pérénaud, je l'ai gardé parce qu'il sort du virage. C'est fin quand même. Hein. Après, je roule fort, mais je suis dans ma voie. Lui, t'es un peu à l'extérieur. Tant qu'on y est, vidéo 30 millions d'amis, je traverse Saint-Afrique, pareil, de nuit. Et là, ben, le chien. Alors, excusez-moi les voisins, hein, je t'ai mis un coup de trompe là. Je préfère lui faire peur à lui et réveiller du monde que de me l'encadrer. Bon, je casse un talmud et en plus, je bute un chien, tu vois, ça me fait chier. Donc, bon. Hein, petit coup de trompette, hein. Comme ça, hein, tout le monde est levé en même temps que moi. là, c'est pareil, le grand classique, voie de droite, je roule, je suis sur autoroute. Hein. Lui rentre sur l'autoroute sans regarder. Ah putain, il y avait un camion. Oui, ben là, c'est pour le coup, il s'en battait les rétros. Vraiment. Non, mais ça déconne. Putain. Pas à un moment donné, faut bien que tu regardes un peu tes glaces. Bon, là, un truc de base, la Clio. Tu sais pas, je sais pas, elle sait pas, mais non, elle non plus, elle a pas l'air de trop savoir où elle allait. Je te mets pas le clignot. Voilà. Bon, je suis dans ma voiture. Là, je descends de mon village pour aller à ma maison. Et là, bon, tout le monde sait ce que c'est. Tenir sa droite, non pas lui. Oh! Bon, oui, même en voiture, je râle. Et même en voiture, je klaxonne. Oui. Là c'est quoi? Oh là là là, c'est la grande fiesta. La preuve. Ah, une forte fiesta. Voilà, je suis lancé rocade de Castres, il me sort sous le nez. Tu comprends bien qu'avec la place que j'ai en face, j'allais pas m'arrêter. Donc, bon, mais il est allé un peu sur le côté. Donc là, tu vois, ce grand défenseur de l'écologie verte, lui n'attend pas le feu vert. Donc il grille le rouge. Le suivant, il grille le rouge. C'est énorme. Là, il n'a plus de permis. Et le troisième, là, on est sur la même séquence. 3, 2, 1. Tada! Voilà, Gilbert a sorti vélo dominical. Donc là, ben, il fume le troisième feu rouge de la ligne droite. Elle doit faire 1,9 km. Je crois que c'est 3-4 points, donc il n'a plus de permis.
Puis là, voilà, carrefour, tout. Hein. Voilà. Nos cyclistes ont du talent. C'était celle-là. Franchement, j'ai kiffé. Quoi. Puis là, je suis en voiture, tu vois, même en voiture maintenant. Oh rond-point après Conque à l'entrée de Carcassonne. Donc, on arrive sur un rond-point, je roule bien. Là, non, troisième flèche de rabattement. Ouf. Il a mordu la ligne blanche avec la roue avant gauche. Tout ça pour. Et ça. À droite, c'est interdit au camion, tu vas à la cité. Il savait que j'irais pas à droite. Non, il fallait qu'il fa... Il faut absolument passer devant le camion. Bon, la petite demi-tour un peu américain. La blanche a failli taper la noire. Qui prend le petit rond-point à l'envers. Tout ça sous les yeux de la brigade autoroutière de 7. Pas de problème. Bon, là, pour te montrer qu'en camion, oui, on peut doubler. Oui, j'ai fait une brochette. Oui, j'ai fait un strike. Tout cela, il roule à 60 à l'heure. On est vendredi, il me reste 40 minutes de volant, j'ai 30 minutes de route. Tu comprends que j'ai pas joué. Bon, la dernière, Dacia par hasard, accélérera un petit peu, mais ne fera rien contre les 460 chevaux énervés de Harold. Oui, je parle de mon camion. Tu vois, je me rabats, il y avait la place largement en face. En camion, tu vois plus loin qu'en voiture. Je me suis permis et ça passe largement. Là, tu vois, je me mets moi-même en erreur. Je te montre, je suis de bonne foi. En fait, j'arrive à bloc sur lui parce que j'étais sûr qu'il allait passer avant le bus. Erreur d'appréciation de ma part, je le reconnais. Je vais te dire comme les politiques, oh, j'assume. Bon, j'assume rien du tout, il faut freiner, point barre. Ouais, je suis arrivé trop fort, il avait le clignot et tout. Hein. C'est de ma faute. Donc oui, des fois, même les meilleurs chauffeurs font de petites erreurs, c'est normal. Il n'y a pas de 100% de bonne conduite. Oui, je sais, toi qui me surveilles, tu vas pas aimer, mais c'est le but. Bon, là, le stop, voilà. Et pareil, je ralentis pas. Hein. Bon, si ça tape, je vais faire la gueule, mais lui, il va être sur le toit. Et je suis sûr de moi, parce que toi, moi, voilà, voilà. Ben si... Bon, là, voilà. Hop là, petite photo pour le frigo espagnol sur la 20 quand tu viens Montauban vers Bressol, Montbartier. Il aura un petit souvenir de France. Et dans la minute qui suit, bon, ben lui, supporte pas d'attendre. Ah merde, je veux doubler tout le monde. Les camions, les voitures, la droite, la gauche. Et ziou! Que de poissons au cul du frigo. Mais qu'ils ont pas de limite, hein, c'est... C'est toujours pied dans la tôle, surtout pour rien faire, quoi. Ah, je t'ai mis ça parce que lui m'a mis coup de frein clignot, ça fait un moment que je le suivais. Il est chargé, moi je suis vide. Là, tout, petit coup de trompette. Hein. Ça, tu vois, parce que je montre toute la merde, mais il y a des fois quand même des jolis actes de courtoisie au volant. C'est tellement rare qu'il faut le montrer. Là, on est dans la Bastide de Rouérou. Je vais prendre par les verreries de Moussan, pour ceux qui connaissent. Donc j'ouvre un peu obligé pour rentrer. Et devant moi, il y a Thierry le fromager qui se retrouve dans l'impasse là-bas. Il va commencer à reculer. Donc j'ai dit, bon, il y a une semi en face, c'est sûr. Parce qu'il n'est pas croisé le loup-garou, ça n'existe pas. Et là... tu comprends pourquoi il a pris la première place au marché. Enfin, la dernière, quand tu rentres sur le marché, comme ça, il rentre en marche avant. Jusqu'au bout du marché, il se gare, il vend ses fromages, et à la fin, il peut partir. Parce que s'il fallait qu'il manœuvre pour se placer, le marché il est fini, qu'il n'a pas encore ouvert le frigo. Je peux te dire qu'avec le gazier, on a rigolé 5 minutes, là. Parce qu'il avance, et recule, il savait pas. C'est chaud. Hein. Après, bon, c'est pas un petit plaisir personnel, ça se fait pas. Mais je te laisse la séquence jusqu'à la fin de la sortie de la Bastide. Pour ceux qui connaissent pas, regarde, c'est... Après, ça se fait, hein. T'as, regarde la preuve, hein, j'y suis, le gazier est lié, on croise des bennes, on croise des frigos. J'ai des collègues embâchés à 44 tonnes qui passent par là. Des fois chargés, on redescend par là. Pour te montrer que on ne fait pas que de l'autoroute en pétrolier, là, cette légende urbaine. Comme quoi les TMD, on n'est que sur autoroute. Non. Tu vois, bon, après, les gens du coin connaissent un petit peu la situation. Voilà, c'est... après ça passe, hein. Bon, il y a des endroits où tu croises des camions, faut faire attention, à ton rétro, on en revient toujours au rétro, mais après tu vois, ça se fait tranquillement, tu roules pépère, là la nuit c'est plus simple avec les phares, et le jour faut faire gaffe à ceux qui se prennent pour Sébastien Loeb et qui pensent avoir la route fermée que pour eux. Donc voilà, sortie de la Bastide, direction les verreries de Moussan-Narbonne, et vamos à la Playa.
Bon, j'espère que tu te seras amusé autant que moi. Que tu es chaud parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ouais, petit passage sous le pont, là, c'est sympathique. Et ça passe large. Hein. En attendant, ben, merci à tous parce que ben, la chaîne YouTube elle gonfle bien, là, c'est pas mal. Ça commence à peser. C'est très sympathique. Hein. Et ben, écoute, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Toujours plus folles, toujours plus débiles. On s'amuse, on s'éclate dans la joie et la bonne humeur. Et pensez à regarder vos rétroviseurs. Tu le sais, poète, camion. Sur ce, attention à vous, attention à toi. Bonne.